renonce et président ak tout gouvernement de facto a li di ki nan konfyo lo ak bandi yo. N'attendez sénateur Jean-René Sénatus, ancien président commission justice sécurité dans Sénat qui parle comme ça dans micro Vilner Joseph. Très préoccupé par ce qui a passé dans question sécurité publique pays. Première grande préoccupation c'est ouais que nos positions que nous la police là obligé kembe parce que homme politique qui a dirigé la police là, il a décidé que police là pas protéger vie à bien monde encore. Ça c'est une grande inquiétude pour nous, une grande inquiétude pour toute reste population en tout qui lui-même censé livrer à lui-même dans le sens que si jodi a ou ta gagne des attaques contre vie et contre bien, c'est la police là pour ta ruiner alors que ouais la police là lui est censé dans un véritable opération bras croisé fermé pour pas ouais ça cap passer parce que autorité politique yo mette dans situation de grande vulnérabilité lorsque on connaît jouti a chef police là li apprend des instructions bien sûr dans mais autorité politique yo chef police là li vulnérable parce que li pa gagne un mandat ça vient cause li dans état de faiblesse li pa ka frapper panti ka cap ravage en de société a par peur pour pas révoquer le don matin en l'autre tu as cette vulnérabilité ça mettez nous même tous citoyens sur le qui vivent dans sens nous pas nous protéger nous moi attendre madame Zeni qui mourit à Jacques Mel qui est 92 ans information fait quoi c'est un assassinat sous route mal passe là et lundi on petit monde 4 à 5 mois est tombé en bas par l'assassin qui assassin tué policier déjà qui tué commerçant déjà qui a fait un mal passe qui tué les riverains de Gantier et de la Croix des Bouquets que tout le monde connaît. Et là, encore, on va poser question. Pendant que le président Jovenel Patkoti recoupe mandat comme sénateur, ou a songé te gagner deux patrouilles policières qui te gagnent Pim at Boyd avec Utmo sous route malpasse là, mais ils ont retiré. Ils ont retiré aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas Diodi à Bandio frappé nous mettre tous les gens nouvelés? Pour policiers que moi-même, moi fait, nous aussi sous commissariat, mettez-vous en face papa et là. Même lumière au baguin, elle y en a fait noir dans le clan. Est-ce que c'est pas Tioti resté avec bras croisés ou bien quitter et pas venir tuer pour policiers nous yo? Donc, ou, si tu moun 5 mois, grand moun 82 ans à attaquer, donc on peut comprendre, nous tous, en de pays, nous sommes censés menacer. Qui ça capable de faire là? Puisque... Non, pas les cas, non. Et je dis à la, que la population doit comprendre que le président Jovenel et les autorités exécutives, ils se sont transformés en chef de gang en de pays par complicité. Là, parce que complicité, qui ça? C'est lorsque j'ai une capacité pour me stopper en dérive, je vais stopper. Hein? Complicité, c'est là m'bay aide de la commission d'une infraction. Or, je dis le président Jovenel est le seul chef en Haïti. En ce sens, c'est lui qui dirige la police, puisque directeur police là, ils sont directeur police AI. Nos commissaires du gouvernement, ça dit bien oui, nos commissaires du gouvernement qui sont les chefs de la poursuite pénale, ils sont tous des commissaires ad interim, jamais vu dans l'histoire judiciaire haïtienne, pour dire, pouvoir pas même qu'à nommer un chef de parquet, alors que chef parquet a pas passé devant parlement, mais quand au prince, il met un chef de parquet AI, quoi des bouquets un chef de parquet AI, dans l'esprit, il y a plus forcé AI, parce que le besoin, il y a des graines dans nos cailloux fèves, à n'importe quel moment, allez vous dire, faites tel bagage, soit faites tel bagage, m'appris beaucoup. Quoi, quand vous révoquez, maintenant, nous mettons dans une situation de vulnérabilité, ça, même, pour ne pas qu'à mettre l'action publique en mouvement. Sénateur Jean-René Sénatus, vous voyez, j'étais démarche Jovenel Moïse en temps même pour le temps mettre sous pied un conseil électoral provisoire pour organiser soi-disant élection. Selon le parlementaire, il n'y a aucun monde qui respecte tête li, qui pral participer dans l'élection avec le gouvernement tête Kalea. Jean-René Sénatus estime pas de conditions pour élection faite dans le pays. Il fait connaître dans ça qui concerne KEPA. Il y a besoin d'une année pour Pipiti pour préparer élection alors que mandat président par là pour l'année encore pour lui même la bout 7 février 2021 n'attendait qu'il était parlé comme ça dans micro Vilner Joseph
C'est pour faire qui ça? Élection pour faire qui ça? Qui est sorti en parlement là, tout le monde a pris l'amour pour lui. Donc, le président Jovenel qui là, tout le monde a pris l'amour pour lui. Nous avons un gouvernement pour diable qui est un gouvernement de facto. Moi, comprendre, nous pas dans l'ordre démocratique encore, nous en pleine dictature. Dictature dans la mesure où, je dis, ah, c'est un seul homme qui peut décider et pour quitter en vie ou bien tout yo, en d'un pays. Ou qu'on justice qui n'est pas fonctionnelle, on justice qu'on doit passer depuis ses faces avec un seul homme zarouillé. La petite est incompétente. Maintenant, aller vers les élections, avec qui est-ce? Attendez, monsieur dit que à qui dans le secteur vaudou a été choisi, il dit carrément ambassade américaine rencontre deux fois, et le président Jovenel a fait couler la monitoring sous lui, vetting, pour regarder est-ce que c'est pas un monde qui prend le bal pour. Ça veut dire qu'il peut faire élection pour le président Jovenel. Qui est-ce monde qui est sérieux? Qui est-ce monde qui est honnête? Qui respecte tête, qui respecte pays? Qui peut prendre part dans des élections champouelles que le président Jovenel a organisé. Quel type de confiance que nous capable de faire à le président Jovenel lorsqu'on connaît des sénateurs qui ont un mandat qui a fini en 2022, l'idée de son propre chef lui dit, moi, coupe le mandat. Est-ce que vous avez dit lors de l'élection ou gagné la capacité pour comprendre qu'on gagne et qui quitte le jeu démocratique à faire aussi? Non, il n'est pas capable. Maintenant, avec le président Jovenel, on ne peut pas penser à la question élection. En plus, qui va faire l'élection? Pour l'organiser, l'élection, il besoin au moins un an. Or, le mandat du président Jovenel atteint son terme le 7 février 2021. Quand on a l'élection, qui élection va faire? Qui type d'élection va faire? Qui est-ce qui a fait confiance dans ça? Nous n'avons pas même besoin, nous n'avons même pas le débat comme ça. Élection pas possible d'après vous-même? Non, élection pas possible dans le climat. Ça pas trop de problème. Oh, madame qui a 6 mois, qui prend le même dans l'hôpital Lovetial, son parisien, 6 mois non mourir et voisine qui t'accompagne là, tombe en babal assassin. Jusqu'à présent, on va rentrer la justice, dit un mot, on va dire l'exécutif là, dit un mot. Qui est l'élection qui a parlé lorsque la police? La police pas même en mesure, si on relève, je dis à m'en si on a un problème, on la police, ça prendrait qu'ils ont relève en mot pour regarder ce que le cas vini. Fait qu'il y a des interventions capables de faire. Après, la police arrive la persécution. Renouvellement personnel politique, là, c'est à travers l'élection, ça fait. Effectivement, mais avec des autorités qu'on est capable de faire confiance, plus ou moins. Mais avec le président Jovenel, c'est à porter tout dans le moulin pour le dictateur, là, pour les qui nommé, Jean l'a nommé conseiller municipal, pour celui qui a nommé sénateur, nommé député, nommé magistrat, Jean lui-même, l'Italien. Mais c'est où elle dit clairement, les la petite Jacques, il y a des problèmes. C'est un Jean-René Sénatus dans le micro Vilner Joseph sous conjoncture politique. Là. Concernant le dossier EDH, la présidente de la Fédération syndicale travailleuse et travailleuse dans EDH Festred, Mme Rosemond Sterlin, Adrien Voyer-Jeté, promesse directeur général contesté EDH, non, Michel Présumé fait l'aile rivée avec force entrée en dedans local EDH non, hier pour lancer l'opération Relimain et moteur EDH. Dans une interview de Radio Kiskeya, jeudi à dans le local syndicat, Mme Rosemond Sterlin Adrien fait qu'on n'est pas gain aucune disposition qui prend dans compagnon pour augmenter aucune production énergie. À la tête Festred Lan et dit que gain plusieurs circuits qui dans zone métropolitaine là qui en panne depuis crise longtemps main et il parlait de Pelig et qui établi dans plateau central qui pas capable travailler et pour le bail rendement de compte bail sans compter plusieurs autres centrales dans zone métropolitaine nan, qui pas fonctionné à cause mauvais mazout gouvernement acheté et qui crasait divers moteurs. N'attendez réaction présidente en Festred Lan concernant promesse Michel Présumé fait pour résoudre problème EDH yo et n'attendez qui te parler comme ça dans micro Hervé Noël. Monsieur Michel Présumé en directeur nommé contesté a oui, il fait en sorte que notre communauté nous bat comme ça. Nous-mêmes, comme journalistes, nous avons une chance pour nous avoir, nous avons demandé, depuis que nous sommes là, hier, jeudi à faire un mois, hier, il investit local EDH là, combien de mégawatts qui étaient disponibles sur le réseau, combien qui augmentaient. C'est ça seulement pour nous demander. Moi-même, pas prêt pour nous questionner ça, non, parce que moi-même, je connais, tout hier, tout avant hier, il y avait 49 mégawatts qui étaient disponibles. Est-ce qu'il y a des productions en plus? Et même les tas de productions en plus, sous qui ligne, sous qui réseau distribution a fait? Parce que nous avons un réseau qui désuet. Augmente moteur nous, capacité ou pas augmenter.
Et pas oublier, nous avons un paquet de groupes qui fonctionnent avec Mazou. Toute population qu'on est et que groupe ça yo yo endommagé par rapport à Fomazou qui était yo était aidé acheter dans mon secteur. Donc li pon secret pour personne. Moi même garder moi outil j'en peur. Ou kon la peur ça que fait bien parce que moi même moi tout moun a bail menti, y a passé à côté dossier EDH là. Lundi yo pral joindre ceci, yo pral joindre cela. Ou pas joindre ceci à qui production? Est-ce que des production la pli pas tomber? D'ailleurs, Pelig qui sont ces gros mamans, nous t'a dit Pelig, les saisons et puis les saisons sécheresse. Si gen une réduction que fait dans trésorerie EDH là pour acheter mazou avec carburant, pral gon amélioration client pour ça, mais kounya nous gon pile groupe yo endommagé. Le directeur qui vient là, directeur contesté, il vient là, il gen ta fait population en faux promesse. Il y a le travail pour mettre la population en face de nous-mêmes, employés EDH, qui n'a pas gagné pour eux avec ça. C'est le président du syndicat Festredlan, Rosemond Sterling Adrien, qui n'est pas au courant de l'autre syndicat de Libération. Il a participé dans le dernier congrès pour élu nouveau comité dans tête Festredlan. Selon à la tête Festredlan, il dit c'est un cartel qui perdu élection et qui voulait faire tête passer comme syndicat journée aujourd'hui dans conjoncture. Madame Sterling Adrien dénonce comportement membre et cartel ça qui perdu dans élection qui est tête Libération et qui pas travaille pour résoudre crise là mais c'est dans intérêt payo y a défendre d'après ça le dénoncer dans interview ça par Radio Kiskeya toujours dans micro Hervé Noël. Libération comme syndicat m'a expliqué ou même comme journaliste pour population qui attendé. Moi-même avant équipe pam nan té élu nan tête Festred, nous té gon cartel qui té relé, qui té inscrit nan course qui té relé cartel de la résistance. Té gen cartel Libération, té gen cartel Avion pa fè bac. C'était quatre cartel, m'pa songe l'autre non cartel là. Nan quatre cartel ça, c'était cartel pam nan qui té élu employé DH té élu. Et femme dit nous bien précisé pour nous t'attendre. Congrès a été fait là, dans la cour aux heures de bureau. Tout emploi EDH, dans tous quatre coins pays, a été fait délégation vient participer dans le congrès. Et le congrès a été élu, cartel qui a été élu, le cartel de la résistance. Automatiquement, où est-ce sous tel cartel, c'est où même emploi EDH voté, où est-ce où vient censé occuper directoire Festred là. L'on pa élu non cartel ou rete non cartel là ou pas syndicat pour ça. Cartel Libération rete cartel Libération. Li ka tout bagay la EDH. Si le faux président de la République la gen doit nommer la dan yo comme directeur si yo gen prérequis pour ça. Mais yo pa jam ka syndicat la EDH. Moi vle ou même qui pose une question en comprendre parce que l'on élu nan tête fédération son mandat ou ba ou se voter ou voter. Mais c'est au clair. De position Libération, il pas gagné à voir avec crise là. Non, m'ka dit qui ça le gagne pour l'oué. Oui, par rapport à monsieur Sao qui t'a fait cartel Libération, yo gagne contact avec